Explication wana po ba kende kokutana na kamwina sapu kamwina sapu azali cousin ya kan kwa azali cousin ya kamwina sapu kan kwa kende po ba yoka ba solola ba député ba solola na kamwina sapu tout ça ba lingi ba longola crime et pas criminel po ba latisa ngo mutu po ba ba meka kosa likamo c'est guite za wana alors aujourd'hui bien ça des liens 1 million de dollars ba pesi bango Badi ba mutu ayaki na kopona Félix alobaki yango bien Badi ba mutu ayaki na kopona Félix que c'est quelque chose là là dessus mutu ayaki na kopona ya Badi banga et je lance encore un message na monsieur Félix Tshilombo que diaspora balobi il faut vous faire dans la table la bosolola il faut vous reconnaître bango que bazali force d'opposition à part donc bino bozali lobby que bozali na peuple katumba za na mbongo mais diaspora et lobby que bangonde baza peuple parce que baza pe na posa bo solo la bo tsama kamna se so ki bo sololité ça ne marchera jamais donc non mais problème c'est ali à bord bo ye ba bien que au joana et salami le 8 et chef kamina sa po kofi le 12 et au joana tango salamaki et celui de renseignement ya Congo et ebaki makambuana et ebisa boy bisabiso ojoane komi na ba expert ndengene na ordinateur expert ndengene ça veut dire que zali gouvernement de mutapesi yango pas kaza les Congo AL News première chaîne d'info Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission La Bino Le Congo. Le Congo est une émission Obino, permettant de sauter la République démocratique du Congo, la Katia Diaspora, Paix à Diaspora, la Katia République démocratique du Congo. La soirée à l'élo, tout s'est déplacé, tout est coucou dans la Mathieu Ilunga. Mathieu Ilunga, Oyoazali, jeune politicien à Diaspora, et aussi n'oubliez pas que Mathieu Ilunga, Azala qui peut porter parole, il y a Eddy Kappen. Eddy Kappen, Oyoazan, la prison à Makala, Oyoazan, accusé qui a Bomaki, Laurent Désiré Kabila, na 2001 en résidence naïe na Kinshasa. Monsieur Mathieu Ilunga, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Adrias. Voilà, bienvenue dans les Congo. Tout le monde va parler un peu parce que au jour d'aujourd'hui, na Congo, ça ne va pas. Ça ne va pas sur le plan politique et aussi social. Bah, Congolais, Tomoni, actuellement, tout le monde comprend parce qu'aujourd'hui, tout le monde est Union européenne, tout le monde est États-Unis, bah, tout le monde est sanction, à bah, proche avec bah, Kabila, tout le monde est Kankou, tout le monde est Bocha, bah, même de tous, bah, tout le monde est sanction. Pourquoi bah, tout le monde est sanction ou les bah, agir directement, bah, tout le monde agir, mais bah, sanction. Ça sert à quoi toutes ces sanctions alors que tout le monde est Kabila qui est leur chef? Oui, c'est ça le vrai problème. Sanctions en soi, elles ont m'abêté. Mais est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont dans le résultat? Est-ce que bit n'a pas été nini? Là, c'est un. De deux aussi, sanctions, Kabila, Azali Wana, Azali Pambate. Et Kabila, Azali criminel. Et Krimo Asali, Azali n'a pas complice. Ceux qui Union européenne et Zuba sanctions, il faut ébander d'abord na conseiller Louis Michel qui était député européen Oazali commissaire au développement qui était parrain à Joseph Kabila et parrain à ya Kagame et lelo bazali ko sala ba sanction ya ba Boucha buna ba Moussousou mais les vrais criminels Ezali Paul Kagame Ezali Louis Michel Ezali Kabila. Alors, lorsque va sanctionner Zoukou après la Kabila, ça veut dire que Batouana est encore pour Kabila, tu vas pouvoir. Mais c'est, je te dis, le lot est bouleversement, ils allaient mouner et n'acheter politique et amende. Au moment où le lot, les États-Unis, parti républicain, ils allaient sous-souter, parti démocrate, ils allaient aller à Trump. Ah, on a la France, ils allaient à la France. Parti socialiste Ezali Soussouté, parti républicain Ezali Té, Tozali na Macron na. Bazan a pouvoir té mais bazan peut exister. Ah bah, c'est pour vous dire que Ezali une façon ya ko lukamena ko redéfinir politique na bango Union européenne dialogue ya oya Ezalaki na résolution 2277.
et salamaki kabila respecté en côté ba sanctionné té mais de ba eko sala na dialogue ya Saint Sylvestre oyo ya 30 le 30 septembre ezalakina et salamaki accompagné par l'Union européenne et la communauté internationale et après basalini les lo bazo sala makambo basali sanction ezali bosote bazwa ki sanction lisusu ya liboso bazwa ki contre Kanyama. Ça veut dire que ils allaient poudre aux yeux, ils allaient passe-temps parce que crime est au Salman à Congo, crime na chez le Mounene. Alors, on a un peu de dossier, ce qui se passe aujourd'hui à Kasai, aujourd'hui précisément à Kananga, juste à côté. Alors, tout le monde a affaire à Kankou, lui étant qu'analyste, analyse numéro 6 l'habitude sur ce dossier à Kankou. Non, Est-ce que Simbisi est touché, comme on dit, est-ce que Israël était pour saluer l'image naïe? Parce que lorsqu'on écoute la conversation, on comprend que c'est comme si d'un côté s'il était innocent. Non, mais le problème, c'est Zali à bord, Boye, va bien que Ojoana et Salami le 8, et chef Kamina Sapoa Kofi le 12. Et Ojoana Tango et Salamaki, et celui de renseignement à Congo, et Ebaki, Makambouana. Et Ebisa Boye, Bissabiso, Ojoana est commis Naba. Espère n'engine na ordinateur espère n'engine. Ça veut dire que Zali gouvernement de Mutapesi yango parce Kazaki en connaissance na yango. Pourquoi Pesi bango yango? A Pesi bango yango et pourquoi est commis na New York Times? Ça veut dire que Kabila na balobi na eboibi. Ça fait pas longtemps Batindaki mbongo kombe bima ki boba futa cabinet à lobbying na États-Unis. Et ce cabinet de lobbying, Moussa Nangwezanine, ils allaient à ko Sumba Media, ko Sumba Media, ko influencer Media. C'est ça les lobbies, ko influencer même des politiciens pour la base de décision. Lobbying, ça veut dire c'est ça. Groupe Wana et Kendeki, Bafouti, Batouana Mbongo, pour la base de l'Alcamp. Le col Kabila Zaki Kwense, il a fallu Balatisa, Kankou, Ber, ya crime isolé Kanakasai. Mais Batouba Bomaki, comme il a sa présence, Kankou. Tango, comme il y a sa fou, il y a une délégation, il y a un député, Kankou, Azaki, cadre ya délégation, il y a un peu de Kokutana, crime et pas criminel pour balati sango moto pour ba meka ko sa likambo c'est vite zawana. Alors aujourd'hui qui est responsable maintenant parce que il y a Kabila qui est responsable maintenant banane ba nakop parce que aujourd'hui tous au monde selon nos sources nos informations que des hommes politiques congolais ou bazali impliqués na ce qui se passe aujourd'hui dans Kasai pour exploiter ba minerai il y a Miba parce que terre on les a Miba. Alors qui sont responsables aujourd'hui dans cette affaire? Il y a chez les Amoulaï, il faut que le projet à la qui il y a développement entre guillemets qu'on développer Kasai côté wana qu'on mettre une colonne à bilanga ya tournesol pour na kosa la bioéthanol et nous sommes les qui pour na kobenga na batu ko exploiter ba entreprise privée ba exploiter place wana moto ya kina mission wana na ko pour na za badibanga. C'est connu, Badiba Mutoa qui n'a copain un millier ya minerais. Badiba Mutoa qui n'a copain aibi yango et quand que gouverneur Kande aibi likambango à cette époque c'était. Mais Badiba Mutoa qui n'a pas tant que membre à IDPS ou bien comment ou je sais pas avec ministre. Hein. Mais tu sais Badiba avant c'était un homme. Azaki na milliers ya finance milliers en bas minerais na ba ya diamant tout ça et il vivait dans ces milliers là il connaissait beaucoup de choses tant qu'il ko sala yango ayena ngo na réseau ya IDPS ça ne veut pas dire que c'était l'IDPS mais ayena cop ayeko informé bato mais ayena ngo te en tant que membre ya IDPS ayena ngo en tant que badibanga na milliers na ye azaki ko côtoyer voilà. Non, soulevez pour moi, parce que lorsque vous parlez de Badibanga, parce que je me rappelle que Félix a dit quelque chose lorsque on a quelque chose sur permanence, sur IDPS, place n'est besoin qu'il y ait des millions pour la ressource de permanence. Il avait dit pas un chef d'État africain, parce que Atina qui va pas tout dans sa vie Badibanga. Est-ce que ça a un lien dans... Ça a des liens. 1 million de dollars, Bapesi Bango,
Badiba Mutoyakina Kopwana, Félix Alobakiango bien, Badiba Mutoyiko Ayakina Kopwana, Félix c'est quelque chose là-dessus. Mutoyakina Kopwana et Badibanga. Voilà, tu parlais un peu sur la présence à Kabila au Kananga. Alors, analyse nous aussi sur la présence à Kabila au Kananga. Est-ce que est-ce que ça peut influencer P à Kananga aujourd'hui? Non, mais le que Zali passe, Ezali a comment on a une politique congolais, Namona qui peut mener à Kabila, Azakina. Ancien PDG à Miba, il y a Tango, il y a Laurent Désiré Kabila, Azaki, Azapé, ambassadeur, je pense, dans Ouganda, je cite bien, Nani. Un Kassaïen de Trubit était là, Oya Kendeki. Akei pour la Kofinga de Kassaïen, parce que Bato Bakendeki qui a assassiné des pauvres citoyens. Oye babomina nos chefs coutumiers après baza ko boma batu comme ça ba militaire baza ko loba baza ko filmé ces armées ya Kabila qu'est-ce qu'il a fait les lota baza ko kenazo ke nepona nini akeyi pona ko finga ba kasayen akeyi pona ko chola ba kasayen et ce qui est grave c'est que autour ya Kabila ezali que ce soit des députés ou bazali na kati ya parlement na ba oye baza na sénat des kasayens des kasayens. Il y a territoire, il y a Dibaya, des territoires, il y a Chimbulu, il y a Kabeya Kamwanga, il y a des Kassai. À Kenaki n'a pas confiné des peuples Kassaïens, il n'est pas parti pour la solution ou bien pour répondre. D'ailleurs, tu as organisé qui pour Bayamba à communiquer avec le peuple, il n'a pas communiqué avec le peuple. Tu as organisé un meeting dans la place de l'indépendance dans le centre-ville de Kananga. Kabila n'est pas parti. Ça veut dire qu'il s'en fout des peuples congolais, il s'en fout des peuples kassaïens, il s'en fout des morts de kassaïens. Voilà, tout marqué pour ce revenir juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je rappelle que Toye n'est pas à Mathieu Ilunga, ou Azali porte-parole, il y a Eddie Kapen. Eddie Kapen, ou Azali emprisonné dans la prison à Makala, ou Azali accusé parce que il y a un moment qui l'aura déjà Kabila en 2001. Mathieu Ilunga, Azali est homme politique. Mathieu Ilunga. Donc, comme il y a fin à l'émission Nabisso, alors aujourd'hui, dans le Congo, parce que souci à la Congolais, c'est que le Congo est changé aujourd'hui. Alors, vous, la diaspora, parce que c'est très, très, très capital, parce que, par exemple, pour ça, comprendre un peu la diaspora, beaucoup mieux à pied, la diaspora. Est-ce qu'on peut faire confiance à la diaspora? Est-ce que le projet Nabino Zadini aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui? Oui. Je réponds qu'on peut faire confiance à la diaspora et je peux ajouter que c'est bateau parce qu'on a réponse à d'autres problèmes mais à la diaspora. Mais la diaspora, celle-là, il faut la diaspora et travailler na baie basali sur le terrain. Parce que ceux qui t'ont dit que nous sommes en diaspora, nous sommes en diaspora, mais il faut tout travailler collectivement. Mais la diaspora, ezali na réponse. Ma réponse, il y a malam. Selon expertise Abisso, au Tozanango, na milieu au Tozali, au Tozévolué, Tozali na quelque chose à porter. Maintenant, projet Ezalini na organisation, oui, Boebi qui combat la diaspora et Banda qui na 2011 et Banda qui na interdiction à musique au Ezalaki Kobomba. Bien avant ça même. Bien avant ça aussi. Maintenant, et Kokoma na combat politique. Cette combat politique. Et mon ami qui est la division Zalaki, selon aussi le clan de chapelle de Balobaka, maintenant, et comme il est suturé, il y a des bananes qui sont pour les bananes, des bananes qui sont pour les bananes, maintenant, il y a des gens travaillent pour maintenant participer au changement à Congo. Alors, enrôlement avec Kinshasa, Joseph Kabila a fait l'enrôlement à la tenue de la Gombe, parce qu'il part, il accepte les élections à la fin de l'année. La diaspora Bozarapi, qui est votre candidat? Alors, maintenant, il va représenter la diaspora, la députation, ou encore la Sénat, ou encore qui sera candidat à la diaspora? Parce qu'Emmanuel Ilunga, qui disait qu'il y a Kokende comme un candidat à l'élection, aujourd'hui, à côté du gouvernement Kabila, on s'étonne, on ne sait même pas ce qui est votre candidat, je ne sais pas ce qui. Ah, non, je ne sais pas ce qui est votre candidat ou pas. Maintenant, qui sera le nouveau candidat à la diaspora? Oui, Tozali, qu'on travaille, il faut savoir que diaspora est pluriel. Diaspora, toi, on a diaspora intellectuelle, toi, on a diaspora ouvrier, toi, on a diaspora cadre et autres. Et nous sommes en train de travailler là-dessus
pona toko mana moyen ya ko présenter un projet crédible oyebi ke ezali pe mumesano na biso peuple congolais ezali toujours ya ke mutuna mutalingi ko tirer couverture côté naye mais l'effort est fait là-dessus tozali ko travailler pona ko yeba maintenant ko concilier lit ya militantisme na projet politique. Est-ce que nous avons été bien à Kinshasa, à l'élection, la diabolisme? Non, parce qu'aujourd'hui, certains disent qu'il faut qu'on monte coup d'État, bon, on a un soulèvement populaire, mais on est incapable, on ne peut pas organiser un soulèvement populaire. Mais lorsque certains s'engagent pour une autre solution, on est incapable de vous proposer. Est-ce que nous avons été bien à Kinshasa, à chemin à la diabolisme? Non, au EBI, tout, l'option, nous avons des options. Et coup d'État, révolution, renversement, nous sommes et même chemin il y a dialogue qu'on a élection, ezali tout ça, ezali ba chemin il y a quelque solution au Congo. Maintenant ça demande il y a que qu'on converge tous na idée moko. Ça veut dire que n'engi na uti kolobo bien na mo mesana koloba vérité za réinité. Parce que bah bazolo ba que non tout ça la coup d'État. Beaucoup ça la coup d'État. Avec lesquels moyens? Beaucoup quoi il soldat l'icolo, bako y en a assez, ou bien il faut beaucoup qu'il y en a mabélé, pour na mabélé bobunda. Et tant que beaucoup bunda na batoana, batoana, tant que bako kima, bako zala force, m'soussou bako ya, ko banda ko bunda na bino. Vous voyez que toko kende toujours en cercle. Mais ça option, ça option, il faut tout étudier yango, faisabilité nango, na possibilité nango. Babazo le soulèvement populaire, ezali option. Il faut total yango pe faisabilité nango na mise en place. Kokene na élection, ezali pe option. Et ces options wana, il faut total yango comment to ekoza la faisabilité. Tozo ba option nyonso wana, to sa la synthèse ya koloba oyo to ko partager parce que vérité za iniquité. Mutu moko te koloba ke non, biso ba tutolobi révolution to benga na Kabila bango ba la vérité. Mais la vérité, nous sommes tous les gens qui ont été battus. Nous sommes tous les gens qui ont été battus. Article 64. Et ça, option. Peut-être, nous sommes démontrer que non, option en est en route. Alors, il faut tous les gens qui ont été battus ensemble, tout ça, la synthèse, tout partager, tout le monde, ce qui est faisable, c'est ça. Voilà, je rappelle que l'Obi Bozan a manifestation devant Bolloré. Na Paris la défense pour l'ordinaire c'est ce que Bolloré ça dans le Congo donc Tokoyambao juste après manifestation là pour bah, ce qui va se passer et je lance encore un message à monsieur Félix Tshilombo que diaspora balobi il faut vous faire dans la table la bosolola il faut vous reconnaître bango que bazali force de position à part donc bino bozali lobby que bozali na peuple katumba za na mbongo mais diaspora et lobby que bangonde baza peuple parce que bazape na posa bo solola bo tsama ka menacé ce qui bo sololité ça ne marchera jamais donc to comme une sous-émission absolue merci monsieur Ilunga je rappelle que vous a porté parole à Edi Kapen et aussi un jeune politicien de la diaspora donc prochainement to au moins le sous noyau juste après manifestation à Bolloré. Merci d'avoir eu besoin de la biso, de vous abonner à l'émission de la biso, de vous partager surtout l'émission de la biso, de vous abonner vraiment à YouTube et Facebook de la biso, de vous partager l'émission parce que c'est très important pour comprendre ce qui se passe au Congo. Il faut que vous ayez des médias de la biso, de vous avoir des informations, de vous commettre la biso, surtout la critique. Ceux qui ont besoin de la critique, vous bengi biso ou encore vous commettre la biso en privé dans la mail, la biso, les congodiz@gmail.com. Merci d'être avec nous, je suis congolais, Kabila. Les Congo AL News, première chaîne d'info.